Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur ATS, les amis. Ça va changer un petit peu. ATS et un autre combo de map, oui, le premier combo de map avec la Promote Canada qui est enfin sorti pour ATS. Donc, je vous montre, vous êtes maintenant les abonnés, vous êtes habitués à savoir comment je fonctionne. On va déjà regarder ensemble ce que ça nous donne. Donc pour ceux qui avaient fait le premier combo map ATS, bien entendu, il va falloir retirer quelques maps qui sont encore pas mises à jour pour cette promode. Donc vous voyez tout ce qui était de ce côté, ça a viré. Mais on a encore pas mal à rouler. Alors je vous montre, on va descendre un petit peu. Vous inquiétez pas si à certains endroits il y a des routes qui s'arrêtent. Ok, comme par exemple ici. Vous voyez, ici là, la route s'arrête forcément. Il faut laisser le temps aux modeurs de faire leur mise à jour de toute leur carte. Ça viendra par la suite. Ça, c'est une première esquisse, ok, de combo de map ETS. Mais en attendant, tout le reste, ça marche très bien. Vous avez de quoi faire. Ok, on retrouve toutes ces superbes routes de montagne. Il y en a encore en bas. Là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi rouler. Mais aussi des trucs assez sympas. Vous voyez, des petites îles ici, là. Des petites îles là vraiment sympa avec les ferries bien sûr qui partent un peu de partout, donc il y a de quoi s'occuper. Vous avez encore ici là, voilà les îles ici, encore ici, vous voyez, avec l'accès de tout ça. La seule chose qui est inintéressante pour le moment, c'est ce petit bout là. Bon, et là, ça sert à rien d'y aller. Il faut se téléporter, ça n'a aucune utilité. Donc ça, vous inquiétez pas, laissez tomber. Normalement, il y a un ferry là qui doit descendre jusqu'ici, mais bon, je ne l'ai pas. Donc ça viendra par la suite. Mais en attendant, il y a déjà de quoi faire. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne vite fait. Hein. Je vous montre vite fait. On n'est pas là pour ça. Voilà. Donc là, on est sur la petite île complètement à l'est. Donc je vous montre, ah, ça fait du bruit hein, parce qu'il y a un petit aéroport à côté et puis il y a une entreprise là où on peut charger. Donc vous voyez, ça marche très très bien. C'est vraiment génial, j'ai roulé un peu hier. C'est vraiment super sympa, ça pète les oreilles l'avion. Donc voilà, allez, comme d'habitude, on se retrouve dans mon gestionnaire de mode et on va regarder tout ça ensemble, là tout de suite. Voilà les amis, donc le gestionnaire de mode, eh ben, comment ça se présente? Comme d'habitude, on vient mettre les maps tout en bas, ok. Pour ceux, donc comme je disais, qui ont fait déjà le premier combo de map, il va falloir, je vous conseille dans un premier temps d'aller dans votre jeu, de récupérer vos camions et de déplacer vos camions et remorques dans des garages qui sont sur des maps officielles. Pourquoi? Parce que vous allez retirer des maps, d'accord? Vous allez donc annuler certains garages, ils vont s'annuler automatiquement. Et si vous avez des camions ou des remorques là-dedans, eh ben carotte, carotte pour les récupérer, ça va. Et puis en plus, quand vous avez cliqué dessus, ça risque de faire merder votre jeu. Donc d'abord, dans un premier temps, pas besoin de supprimer quoi que ce soit, juste vous déplacez vos camions, vos remorques dans les garages à côté. Vous savez, quand vous commencez le jeu, on vous demande de choisir votre base. Bon, bah, vous mettez un max dans votre base. Et si vous avez encore plus de camions, vous mettez ça sur les garages qui sont autour. En tout cas, sur les garages des cartes officielles. Ça, c'est une recommandation que je peux vous faire pour éviter de perdre vos camions ou vos remorques. Une fois que c'est fait, je vous mettrai dans la description, bien entendu, toutes ces maps. Et pour ceux qui ont déjà fait le premier combo avec moi, vous remettrez pas celles que vous ne voyez plus sur mon gestionnaire de mode. Et pour celles que vous avez déjà, je vous mettrai nouveau. Il faudra les retélécharger parce que, bien entendu, il y a des mises à jour. Voilà, donc tout sera bien indiqué dans la description. Pour les autres, ceux qui n'ont jamais rien fait, bah, il suffit de tout télécharger dans la description. C'est beaucoup plus simple que TS, il y en a beaucoup moins. Ok? Et puis tout installer comme je vais vous le montrer ici, et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, attention aux modes que vous utilisez à côté. Il y en a qui sont pas bien, donc qui peuvent foutre la merde. Ça ne viendra pas des maps que je vous présente. Pour ça, tout fonctionne très bien. D'accord? Donc attention aux modes que vous utilisez. Et surtout, classez-les correctement. Ça aussi, je vois encore beaucoup de personnes qui classent leurs modes un peu n'importe comment. J'ai fait, je le rappelle, une vidéo pour ça. Je vous la mettrai aussi
en fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence par Island Map 0.10, ensuite le Paz Mode version 1.4. Ensuite, Reforma Mexico Externo, Viva Mexico Legacy, le Paz Mode Viva Mexico Legacy V1.1. Le Messi Map V1.8, Reforma Sierra Nevada 2.229, le nouveau Elko, ça c'est nouveau, pour ceux qui l'ont déjà, vous pouvez aller le retélécharger, il a été refait. Mega Ressources 2.19, Carabine Map, ça aussi nouveau, c'est le 1.02. Mega Ressources C2, c'est Patch, Montana A7, Montana Expansion, le Grit America V1.7.1, GAME Road Connection V3, Mega Ressources Grit America Patch V2, le Grand Canyon Red Bull qui a été aussi refait, l'Alaska, l'Australia et la librairie. Pour ces trois maps, s'il suffit d'aller de cliquer sur le lien, ça vous amène sur le Discord du modder, ok. Donc c'est nouveau, hein, je vous le dis pour les anciens, Australia et librairie, pareil, c'est nouveau. Et là, la connexion ferry que je vous ai montrée entre les îles, là on peut remercier Amix d'avoir fait ces connexions ferry, merci à lui. Bien entendu, on va retrouver la Promode Canada, donc Promode Asset Pactage, Modèle Pactage, Map Pactage, Définition Pactage, et là, Reforma et Promode Backroom Fix, pour faire la connexion entre Reforma et Promode. Et bien entendu, comme d'habitude, après vous venez mettre vos modes, et tout en haut, je précise, messieurs, ça c'est très important, vous venez mettre le full screen qui va vous permettre d'avoir toute la carte. Et moi, je mets le ATS Satellite BG pour pouvoir zoomer un maximum. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y en a quand même beaucoup moins, comme vous pouvez le voir, que ETS. C'est pas très, très compliqué. Je vous mets tout en lien dans la description. Surtout, me demandez pas, je veux mettre ceci, mais je veux pas mettre ça. Non, il faut tout mettre ou faut rien mettre, ou alors faut mettre que la promode. Si vous décidez de mettre que la promode, les amis, et ben c'est simple, il faut juste repérer comme je le mets là. Celui-ci vous servira à rien si vous mettez que la promode, il suffit de mettre ces quatre dans le même ordre si vous voulez pas mettre les autres. Mais si vous voulez commencer à mettre je dis n'importe quoi, le Grand Canyon, il va falloir mettre tout ou rien. Je peux pas faire des combos de map pour chaque personne. Voilà, c'est tout ou c'est rien, ou alors c'est que la promode. La promode, bien entendu, elle est payante. Je vous conseille d'aller télécharger celle qui est payante pour 1€. 1€ sur PayPal. Vous recevez donc le lien PayPal et là-dedans, vous avez vos fichiers. Okay, ils sont envoyés par mail. Après, par la suite, et il y a un laps de temps pour aller les récupérer. Après, ils ne sont plus utilisables. Il faut repayer. Donc, une fois que vous payez, bien entendu, je vous conseille d'aller le télécharger tout de suite. Donc voilà, rien de très compliqué les amis, toujours pareil, si vous avez des questions qui sortent, je précise, des questions qui sortent de la vidéo que je n'ai pas dites dans la vidéo, les réponses, je suis là pour vous, pour vous aider, il n'y a pas de souci, j'aide du monde, c'est avec grand plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous servira, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis comme d'habitude, prenez un max de plaisir, allez ciao.